Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur. Aujourd'hui deux matchs de championnat et on aura le match retour face au Real Madrid. Donc les matchs en championnat ne sont pas forcément très très importants parce que comme vous pouvez le voir au niveau du classement, on est plutôt bien classé, on a pas mal d'avance. Donc voilà, faut qu'on continue sur cette série et normalement on devrait terminer champion assez facilement. Donc voilà, le Milan c'est qui commence à vraiment à bien remonter également, donc il va falloir qu'on fasse attention. Voilà, ils sont 8e alors qu'avant ils étaient dans les 14, 15e il me semble, quelque chose comme ça. Donc il va falloir vraiment faire attention. On aura donc du coup le match retour également face au Real Madrid auquel on avait fait match nul face au match aller, il me semble. Non, on avait fait 2-2. On avait fait 2-2, c'est vrai que c'était un super match. Du coup j'ai joué aussi les matchs qui sont arrivés juste après. Donc là on a gagné 3-0, je suis sorti un petit peu dans les dernières minutes. Donc quand je suis sorti il y avait 1-0, donc voilà, ils ont mis deux buts en quelques minutes, donc c'était pas trop réaliste. On a également fait match nul sur le match précédent également. On a également Dybala qui revient de blessure, donc là il sera pas titulaire mais il revient de blessure, donc je pense qu'on va le voir dans les prochains matchs qui arrivent. Au niveau de la composition, ok, il n'y a pas de Ronaldo, il n'y a pas de Dybala, mais il y a Draxler et Koke au milieu de terrain. Allez, let's go, c'est parti. Et donc du coup, oui, l'épisode précédent est sorti donc assez tard dans la soirée. Donc il me semble qu'il était sorti le 20, ouais, le 20 février. Tout simplement, en fait, j'avais totalement plus de réseau dans ma région où j'étais. Même les villes au côté, enfin vers chez moi, on n'avait actuellement aucun réseau. On n'avait même pas de 3G, quoi que ce soit. Donc du coup, la vidéo en fait était sur YouTube. J'avais pas encore fait la miniature, j'étais en train de la faire et 5 minutes voilà, 5 minutes après bah, il y a eu un bug. Donc du coup j'ai pas pu mettre la miniature, j'ai pas pu la planifier. Parce que j'aurais pu mettre même juste la planifier, s'il y aurait pas eu de miniature c'était pas forcément très grave. Il n'y a pas eu de vidéo à 17h, donc je voulais poster un peu plus tard dès que la connexion est revenue. Donc voilà, j'avais pas de connexion de 11h du matin à 22h15, quelque chose comme ça. Donc la journée était assez longue, voilà, clairement. J'ai même été des fois dans des villes à 20 minutes de chez moi pour voir s'il y avait de la 3G, juste histoire de pouvoir vous mettre la vidéo en ligne, sans déconner. Et non, il n'y avait aucun réseau, même aux alentours, donc c'était vraiment la merde. Donc voilà un petit peu pour mon petit pépin que j'ai eu l'épisode précédent, et c'est pour ça que la vidéo est sortie donc assez tard. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, parce qu'il y a un très très beau but de Fekir dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant de voir cette vidéo là. Du coup le Milan AC qui ont une très très bonne équipe et qui commence à remonter un petit peu au classement, voilà, qui est avec Memphis qui sera à la pointe de l'attaque. Très très belle équipe du Milan AC. Je me souviens plus trop du résultat qu'on avait fait face au Milan AC. Donc bon, ils étaient 13e ou 15e je crois quand on les avait affrontés. Là ils sont 8e. Donc ils sont un peu mieux, ils sont un peu mieux. Donc on va voir. Du coup on est parti pour ce premier match de championnat. Continue à prendre les 3 points, continue à prendre de l'avance. Et normalement la première place, ça devrait le faire tranquillou. Ouais. Faire un bon début de match. Ok. C'était pas mal ça. Oh, pas mal. Je te la redonne. Allez, le petit centre. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Le Koke qui a réussi à la smatcher là. Malheureusement, c'était un peu trop sur le gardien. Si on commence à trop jouer à la baballe, par contre. Mais ça tente. J'arrive pas trop à toucher de ballon dans les derniers. Dans la surface, mais. Ils ont décidé de tenter aujourd'hui. Hein. Pour une fois, je leur demande pas de frapper, ils frappent tout seuls. Oh là là. Oh, le petit frisson là devant les buts. Allez, attention sur les corners. On entend toujours les supporters parisiens. Voilà, les supporters parisiens, ils sont là, même pour un Juventus Milan AC. Ils font le déplacement. C'est assez marrant, mais bon. C'est bizarre que. Enfin, peut-être qu'ils sont pas au courant de ce bug. Attention à pas trop les laisser jouer là, le Milan AC. Ça peut être dangereux. Pour l'instant, ça transmet plutôt bien. On défend bien, mais. On lui laisse quand même un petit peu bien jouer, Sanchez. Oh. Ouais, on va pas falloir laisser trop jouer, hein.
On va regarder un petit peu Sanchez là dans la surface, voir un petit peu ce qu'il va faire, mais bon, c'est pas sur lui. Attention, défense, c'est pas trop ça. Hein. Attention sur les contres. Allez, Sanchez. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Pas mal ça. Et derrière, attention au contre. Ah, derrière, attention au contre. On a notre joueur 26, là, notre défenseur 26, hein, qui est le seul défenseur, seul joueur sur le terrain à avoir moins de 70 de général, qui n'a pas forcément trop de vitesse. Ah, on l'a payé cash. On l'a payé cash, là. La mauvaise passe, en plus, là. Oh là là. C'est dommage, c'est dommage. On a plus d'occasions qu'eux et on fait une petite erreur, là. Et direct derrière l'interception, ça fait la bonne passe, ça frappe, ça rentre. Oh là 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 là, si on pouvait réagir juste derrière là. Il faut qu'on descende, on est trop bas, on n'est pas assez agressif. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Allez les gars, let's go là. J'ai voulu surprendre le gardien en voulant. Je voulais pas le mettre là le plus. Je l'ai mal joué ce coup là. Je l'ai mal joué, mais encore une fois, c'était un bon appel. Et je loupe l'occasion, putain. Je voulais pas jouer à le poteau opposé en fait. Je voulais vraiment surprendre le gardien, mais ça a pas fonctionné. Oh là là, mais on n'a pas de chance, le poteau! Et là, on va le laisser avancer. Hein. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un joueur qui va monter dessus, quoi. Bon, bah, défaite 1-0 face au Milan AC. Franchement, c'est vraiment dommage, mais j'ai pas trop compris à certains moments où on les laisse jouer, on les laisse avancer, je sais pas. J'ai loupé en tout cas une grosse occasion. Encore une fois. La dernière fois aussi. L'arbitre qui siffle toujours pas, d'accord. Ah oui, il y avait 3 minutes. Ok. On va perdre un petit peu d'avance, c'est dommage. C'est dommage. Alors qu'on voit les autres résultats, mais du coup, ouais, mais je pense que je vais pas réussir les objectifs du club. Hein. Déjà, tout ce qui est niveau note moyenne par match, je pense que je vais pas y arriver parce qu'à chaque fois, je suis pas assez régulier. On va aller voir ça, mais je suis pas régulier du tout. Note moyenne, ouais, faut que je fasse 8,40, je suis pile dessus, quoi. On est parti. Juste voir un petit peu le Milan AC du coup avec cette victoire. Bon, ils ont gagné juste une place, mais ouais, ils commencent à revenir tranquillement. Alors, la composition. Oula, il y a pas mal de changements là. Ah ouais, ça fait pas mal tourner, même au niveau du gardien, l'ancien gardien d'Arsenal qui sera titulaire. C'est pour vous dire. C'est la première fois que le coach fait tourner à ce point là. Allez, let's go. Bon, Dybala toujours pas sur le terrain. Après son retour de blessure, hop, on va tout passer. La composition, je m'en fous un petit peu. Là, c'est vraiment la victoire. On va devoir jouer les contres à fond. Hein. C'est pour l'instant. Surtout pas de faute. Sanchez, putain, mais Sanchez, il fait de la merde en ce moment. S'il y a un joueur qui devait partir là pendant le mercato hivernal, c'est bien lui. Hein. Oh là là, on a vraiment de la chance. Attends, on serait pris un but là-dessus là. Ok. Allez, boum. Petite reprise là. Dommage. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. Allez, bim. Voilà. On obtient le corner. Derrière le contrôle. Ah, ok, il a préféré la jouer sur moi. On se retourne, mais j'arrive pas à frapper. Allez, bim. Putain. C'est un bon gardien quand même. Allez, au point de pénalty là, tu me tires un ballon. Oh là là, mais non. Et d'habitude, je touche jamais les ballons sur les corners. Là, j'arrive à en toucher, j'arrive pas en quadriller une. Allez les gars, ouais, mais faut être agressif sur le ballon. Je suis obligé de descendre pour les récupérer. Il est tout seul lui. Allez, let's go.
Mais non, mais c'est pas possible, ça frappe encore le poteau. Allez, bim. Mais... Non, mais il y a un... C'est le foutage de gueule. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes. Bon, le joueur 1-2, là, les gars, faut monter sur le joueur. Oh là là. C'est un poteau, mais pour le coup, c'est pour... Ah, c'est le match des poteaux, hein. La dernière occasion. La dernière des dernières. L'arbitre aurait pu revenir à la faute, hein. Putain. Allez, le corner. Allez, let's go, là. Le corner. Tu me refais la même, là, au point de pénalty. Oh, j'ai tenté la reprise de volée. Bon, bah, on n'y arrive pas, hein. De retour dans les menus. Du coup... au niveau du classement, déjà on va avancer face au Real Madrid. Mais on n'a pas gagné un seul match avant d'affronter le Real Madrid. Si on commence à perdre des matchs, il va falloir faire attention à l'AS Roma qui sont actuellement deuxième. Ok, ils sont deuxième, 27e journée. Donc ouais, ils ont fait match nul, il me semble. Ils avaient 47 points. On a de la chance. On a de la chance. Mais il faut qu'on fasse attention. Oh là là, non. Il y a vraiment trois joueurs fatigués comme ça dans le jaune, là. Ah, je le sens pas le match, je le sens pas là. Voyons voir un petit peu cette composition du Real Madrid. Il n'y avait pas de Benzema au match aller. Donc après, ça se trouve, Benzema a été transféré. Hein. Peut-être que j'ai loupé aussi l'info. C'est bizarre quand même qu'il soit pas titulaire, ni sur le banc. J'ai vu qu'il y avait Rodriguez également. Bon les gars, c'est bien les photos, hein, mais si on peut passer directement à la composition, ça serait pas mal. Ils nous ont pas fait montrer la composition, vous êtes sérieux? Super, ok, donc ils préfèrent faire montrer les photos, mais la composition n'a pas droit. Ok, bon, bah c'est pas, on va faire avec. Du coup, on saura pas qui y a sur le banc. Par contre, il y a... Ah si, il y a Varane, parce que je crois qu'il s'était ramassé un carton, mais au final, non. Allez, let's go! Normalement, on devrait avoir un peu plus d'espace. La junior du côté du Real Madrid, va falloir faire très attention avec ses chaussures rouges là, le voilà qui cherche directement le centre. Allez, je suis confiant, franchement, même après les matchs de merde qu'on a fait, je suis assez confiant. J'ai juste peur pour mes défenseurs qui sont fatigués, du coup, que en seconde période ça leur tire dessus. On verra les changements, mais j'ai peur. Bon, bah en fait, je suis pas trop confiant. Voilà. Je suis pas trop confiant. Putain, mais c'est pas possible. Regardez qui c'est qui marque. Le retour de Patrick. Le retour de Patrick. Ah, lui, il m'a traumatisé. Hein. Quatre buts en Ligue des Champions. Il a pas marqué autant que ça. Franchement, il nous pose énormément de problèmes, hein, lui. Hein. Il nous pose énormément de problèmes. Donc on a déjà un but. Ils ont déjà un but. On a des défenseurs qui seront dans le rouge en seconde période. On va se prendre une tannée. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ah, mais putain, mais Rodriguez. Je fais de la merde. Et Patrick, il tente direct. Hein. Putain, mais il est incroyable ce joueur. Ok. Le petit centre raté. Mais ça peut en profiter à Coquet. Bon, ils ont trop l'avantage. Ils ont en défense, on se fait balader. On a une défense qui est. Le match d'avant, on fait tourner les joueurs. Et le match d'après, on a des défenseurs qui sont quand même dans le jaune, quoi. C'est incroyable. Allez, début de la seconde période. 2-0, ça fait 4-2 sur le score cumulé. Ça va être compliqué. J'espère vraiment qu'on va pas se prendre une tannée. On a le Bayern qui gagne 1-0 face à l'Inter. Donc normalement, pour l'instant, ce serait le Bayern qui passe, il me semble. Ah, le match aller, il était intéressant, hein. Mais alors là, le match retour... Asensio, spazio per il traversone.
Ah putain. Mais ouais, mais c'est sûr, mais c'est sûr. J'ai même pas envie de demander le changement parce que si on demande le changement, il y a moyen qu'on... Il y a moyen que le score soit encore plus grave. Ou alors qu'on même qu'on gagne le match. Hein. Ça c'est possible par contre. Hein. Ça serait extrêmement pas du tout réaliste. Et bon, j'ai quand même envie de marquer un but dans ce match histoire de sauver un peu l'honneur. Mais j'ai pas envie non plus de me taper une tannée. Oh la chance. Oh là là, si ce ballon il passe. Ouais, en plus j'arrive même plus à marquer. J'arrive plus à marquer, j'ai voulu croiser ma frappe. Je crois qu'il a fait un extérieur du pied mon joueur, je suis pas sûr. On va voir là-dessus. Ouais. Donc il n'y a pas Benzema. Bien joué Courtois. Bon, Courtois il est là aussi. Voilà. Allez hop, j'ai sauvé l'honneur. Voilà, on a marqué un but. On a que deux buts en Ligue des Champions, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Draxler. Qui laisse sa place à Fekir. On aura marqué notre petit but, mais... Malheureusement, le Real Madrid mérite mieux que nous. Ça se termine là pour nous en Ligue des Champions. Alors, voyons voir un petit peu les autres résultats en Ligue des Champions. Donc là, il y a eu match nul entre le Bayern et l'Inter de Milan. Donc, ce qui veut dire, alors, que du coup, le Real Madrid passe. L'Inter de Milan qui passe face au Bayern. Et ensuite, les autres matchs ne se sont pas encore joués. Donc, il y a encore Lyon hein, qui est dans la course. Ah ouais, mais... 4-1. Aïe. Ah, pour le PSG aussi, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour, ouais, pour les clubs français. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, petit retour au menu. Du coup, je vais avancer jusqu'à ce match-là. En plus, c'est le... L'élection du joueur du mois de février. Regardez, il n'y a que des joueurs de la Juve. Il n'y a que des joueurs de la Juventus. C'est un délire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah, on a été élu, d'ailleurs, joueur du mois de février. Donc, franchement, on est pas mal, hein. Élu joueur du mois de janvier, élu du joueur du mois de février. On est plutôt pas mal. On peut également faire un point au niveau du meilleur buteur qui, bah, c'est nous. C'est nous, mais attention, Mainfield, il revient juste derrière là avec 14 buts en 24 matchs. Attention, attention à Mainfield là qui nous dépasse pas trop. Mais pour l'instant, on garde notre première place. Et au niveau des passes, nous sommes deuxième avec 6 passes. Ok. Ok, ok. Du coup, on se retrouve très très vite pour la Coupe d'Italie. Moi, je vous dis à très très vite. Et n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à partager la vidéo. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. Merci du soutien et on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde!